Bonjour à toutes et à tous, c'est Linkus. Et directement, je repars sur ce chevalier. Et essayer de bon, bah, le tuer assez vite, hein, quand même, parce qu'il m'a bien fait galérer. Et bon, apparemment, il va continuer. Bon. Ah. Batterie faible de ma manette. Alors, j'espère que ça va pas m'arriver. Je vais aller, je la tente. Je la tente, je la change pas tout de suite, on verra bien. Quoique. Ouais non allez j'y vais, n'ayons pas peur des mots. Oui donc j'ai eu un petit message batterie faible de ma manette. Hein. Vous ne pouvez pas le voir mais... Bon alors. Allez je la joue un peu tendue du string à jouer. À ras de lui mais c'est une mauvaise idée. Ah, disons que je me dis voilà faudrait que je fasse ça. J'arrive à toucher sa flèche foudroyante là, apparemment c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais quand je suis pas trop loin de lui, parce que bon forcément ma deuxième flèche doit lui mettre dans son nez. Et pour le peu de fois que j'ai réussi, à chaque fois il est super loin donc. Bon allez, prudence. Jouons prudence. Faut bouger, hein. Faut la clé. Ah ouais, non, mais c'est rapide. Hein. Ah, je panique, je panique. Alors, j'aimerais bien récupérer ma flèche, c'est possible. Voilà, merci. Il tire pas. Et voilà! Ah, mais... Je l'avais dit, hein. Une petite pause. Et hop, hein. En deux temps, trois mouvements, c'est parti. Oh c'est une sorte de rituel, hein, maintenant, c'est bon. Je pousse mon petit cri salvateur. Bon, bah, c'est bon, hein. Une grosse flèche qui fait trois fois ma taille. Je peux pas la prendre? Bon, et je me casse, hein. Bon alors suivant. Alors suivant ici apparemment il y a deux boss. Allez, un petit passage par là, allez, on va tenter. On va aller voir ce qui se passe par là. Rien du tout. Et un escalier. Ah? Ah bah ça doit être lui. Du fric. Du fric. Je peux me planquer. Planquer derrière le fric. Qu'est-ce qu'on a? Une pièce vide? Foutez de ma gueule ou quoi? C'est quoi? Ah, un interrupteur peut-être, faut... C'est quoi ce truc? Non mais... Non mais même on... Ah mais non mais je pensais pas qu'on aurait ce genre de choses aussi. Parce que s'ils nous font des énigmes sur des pièces, ça le fait pas quoi. Ah, Gling? Ah, il y avait un petit truc planqué derrière. Ah, j'ai eu du bol. Ah, il en faut. Hein. Hop, ah, et le trésor. Ah, je vais tomber sur du dragon, là, avec du trésor. Ah, le gros coffre. Ah, le boss. Ah, le boss, ce coffre. Ok. Ah, je m'attendais pas à ça. Alors, les pièces... Les pièces ça me bloque, mais à tous les coups ça va me tuer si j'en prends une. Oh. Alors, eh oui. Alors, je me posais la question, est-ce que je me fais écraser par un coffre qui fait 2000 fois ma taille? Je me fais tuer? La réponse est oui. Ok. Ah non, mais... Ah, c'est salaud. C'est salaud le petit escalier planqué pour aller jusqu'au boss. Là, je m'attendais pas à ce genre de choses. Ah, mais c'est mignon, hein, j'aime bien. J'aime bien, là, ce genre de pensée, j'adore. Voilà, le coffre démoniaque. Ouais, alors bon, il faut que je lui tire dans le buffet, j'imagine. Bah, dans sa langue. Pff, ouais, je pensais que j'étais mort, mais non. Oui. Bon, pour l'instant, je me maintiens à un boss minimum tué par vidéo. Ça va.
Mais bon, là, il me reste du temps, je vais le tuer, celui-là. Bon, l'évidence, je lui tire dans la gueule quand son coffre est ouvert. J'espère que c'est ça. Parce que c'est peut-être pas ça. Allez, rends ma flèche, balance tes pièces. Énerve-toi bien, voilà. Ouais, non, mais. Ah, faut que je trouve l'ouverture, mais c'est chaud quand même. Ah, mais c'est même super chaud. Ah, ça va être compliqué, je le sens. En même temps, ça risque pas de se simplifier. Voilà. Mais c'est cool parce que le design des titans là il est un peu différent. J'avais peur hein, parce que les premiers se ressemblaient pas mal niveau design. Mais là, ça y est, on commence à. Alors, en même temps, ça y est, j'ai de la tentacule, j'ai eu un squelette jeteur de flèches. Alors, non. Ah, mais il va me mettre des pièces partout après, c'est plus possible d'avancer. Mais non, mais non, mais non, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste. Ouais, j'ai fait comment pour louper? Elle était juste à côté. Hein. quand je l'ai cherché à l'épisode précédent. J'aurais eu l'air bien. Hein, parce que j'aurais cherché un boss. Okay. Il y a une petite entrée secrète pour trouver le boss. Alors voilà son nom, hein, vous pouvez le voir, coffre maléfique démoniaque 1912, c'est ce qui était noté. Je parle couramment le monstroïde ancien. Ah mais il me pourrit la vie lui. Hein. Ah mais ça devient compliqué, chaque boss me pourrit la vie maintenant. Je ne suis pas d'accord. J'aimerais bien, voilà, tomber sur une petite phase où ouais, un boss ou deux, je suis ah, bah, tranquille, bam bam. J'ai compris. Alors il disparaît, bam, il tombe tout de suite. Bon ça ok, j'ai pigé, il fait ses petits bonds. Est-ce qu'il y a un moment, une ouverture, quelque chose? Ouais, tu rebalances tes trucs, vas-y. Ah, il y en a de la pièce. Hein. Alors ouais, quand il est penché comme ça. Ah non. Ah, je pense qu'il y a un moment où il faut le toucher, c'est quand il se penche et qu'il balance sa pièce droite. C'est le seul moment vraiment où ma flèche pourrait aller toucher sa langue. Bah, je pense. Allez. C'est la bonne. Alors balance tes trucs, hop hop hop, tu fais tes bons, tu disparais, tu essaies de bouffer, tu fais quelques sauts et après c'est là. Ah bah voilà! Non mais voilà! Le pattern, c'est la base. Voilà. Toujours! Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Ah, même pas moyen de se barrer. Hein. Il avait fermé la porte derrière moi. J'ai tué un gros coffre avec plein de thunes. Ils auraient pu me filer quand même une petite piécette, quoi. Quelque chose. Bon. Alors là, c'est bon. Bim, bim. Les deux. Donc, bah, j'avais vu la lave. La lave. Qui était là-bas à gauche. On va aller voir la lave, hein. On va aller voir ce qui se passe là-dedans. Ah, je suis fier de moi là. Deux titans tués sur un épisode. Alors j'en suis où? Parce que j'avais compté à l'épisode précédent, mais je me suis complètement foiré. Parce que j'ai tué 4 boss au début. Tentacula, ça c'est bon. Il y avait le champignon, ça c'est bon. Ça fait 6 plus lui 7. Je crois. Hein. Peut-être je me plante encore. Bon, 7-8, je vais arrêter de compter un moment. Hein, parce que... Bon alors, on a la photo du prochain titan, c'est quoi? Ouais, bon, bah baladons-nous. La lave, on peut rien faire, non.
Une porte là-haut. Ah, ah, je peux grimper. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que... Ah, ok. Un ascenseur. C'est assez moderne. Ils ont vu la taille de... du socle. C'est déjà pour transporter de la grosse bestiole. Ah ben non, mais j'avais dit le feu, je me retrouve dans la glace. Mais je suis bien, moi. Bon bah je suis là, allons-y, continuons, j'ai bien trouvé un quelque chose, non? C'est quoi ce délire? Mais non. C'est quoi ces trucs? Alors je me dis, il faut y mettre le feu. Faut y mettre le feu. Ah ouais, non mais à tous les coups. Ah ouais, non mais je vois le truc arriver. Il y a un endroit où il y a un truc allumé. Il va falloir que je fasse la liaison entre tous. Bah voilà. Ouais, non mais ça c'était sûr, ça me pendait au nez. Voir Glingling, trois boss. Trois titans dans la neige. Si je monte sans allumer, sans me prendre la tête, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est ouvert? C'est pas ouvert? Ouais, c'est ouvert. Et donc? Ah bah oui, voilà. J'allais dire on a personne, mais si. Oh, alors qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord. Oh, re d'accord. Ah, ça souffle. Ça souffle et ça me pousse en arrière. Est-ce que les dents, je peux les défoncer? Non. Lui, en revanche, peut bien me défoncer avec son rayon de glace. Alors, voilà, vérifions ma technique. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, je vais devoir allumer toutes les torches pour débloquer un truc. Ah, ça va être sympa. Ah, je m'attendais pas à ce genre de petit truc, moi. Moi, je pensais vraiment que c'était que du boss d'affilée et c'était tout. Bon, ça a pas l'air trop nerveux non plus, hein, niveau énigme. Ça a l'air d'aller. Ouais. L'énigme, c'est les boss. Bon, c'est bien beau, mais j'ai pas vu d'ouverture là pour l'instant. Là, ton truc de glace, ouais, bam. Alors, est-ce que tu peux glacer ton pote? Se glace, s'auto-glacer. Voilà. Ah, puis, ah, non, mais il m'a carrément poussé, lui. Hein. Non, ça marche pas du tout, ça. Ah, il faudrait que je glace ma flèche, peut-être. Peut-être, peut-être. Allez, essayons. Ou pas. Ah là, je vois pas l'ouverture. Réveille-toi. Mais non, bouge. Je tire ma flèche, mais c'est pas le moment. Non. Ah, c'était trop beau. Je me disais, ça y est, c'est mon moment, je vais enchaîner. Mais non. Bon, ça va être le dernier essai de ce titan. Ah, si, j'ai compris. J'ai compris. Je reste là, je monte. Ah non, merde, ça marche pas. Parce que je me dis, c'est peut-être ses yeux qu'il faut que je vise, mais. Mais je suis trop bas. Je suis trop bas, du coup. Ah, j'avais dit le dernier essai, mais il me reste une petite minute. Allez, je m'en fous, j'y vais. On va essayer quand même. Allez. Je voudrais au moins trouver quelque chose, parce que là, là, je suis dans le néant. Ah non, mais quand je tire mes flèches dans la glace, ça fait de. Ça bousille le truc, c'est tout, quoi. Ah, alors il faudrait qu'il monte ma flèche, je fais ça. Ah non, non, c'est foireux. Ah non, c'est bien foireux. Ah, je suis un petit peu dans... Là, je ne sais pas. Je ne sais pas, et on va rester... Ah, ben ouais, mais si, je sais. Il va falloir que je monte le feu pour m'aider du feu contre lui. Non, c'est une connerie. C'est une connerie. Bon, peut-être, on verra. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là-dessus. Merci d'avoir regardé, et à bientôt. Au revoir.